Allô? Oui, ok, j'arrive. Vous les auriez pas vus passer? Deux personnes à peu près ma taille, ils viennent de passer là. Ils ressemblent à quoi? Je sais pas, c'est compliqué à expliquer. Allô? Salut? Je sais, ça fait super longtemps. Ça te dirait de boire un café? En fait, c'est vraiment important. Ouais, ok, bon, super, à tout de suite. Crache le morceau, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, ça fait quelques semaines là que je me rends compte que j'ai perdu mon végétarisme. En fait, j'arrive plus à faire ce qu'il faut du fait du quotidien, de la routine et du même ordre. J'ai perdu ma foi, j'ai perdu ma volonté. Moi, je peux pas faire grand-chose. Après, je connais quelqu'un qui m'a aidé à cette époque. Ouais. Si tu veux, on peut essayer. C'est pas facile. C'est vachement bon. Tu veux essayer? Ouais. Qui est-ce? C'est Elliot. Vous vous souvenez? Je pensais avoir été clair. Tu as échoué. Il est trop tard pour toi. Tu as échoué avant même d'avoir commencé. Oui, je sais, sauf que cette fois, c'est pas pour moi. C'est pour mon amie, elle s'appelle Mila. Et elle est beaucoup plus déterminée que moi et beaucoup plus courageuse. Courageuse? Ben c'est ce qu'on va voir. Je vais poser l'énigme suivante. Qu'est-ce qui est invisible, que l'on porte toujours et qui nous perdra jamais? Quelqu'un avait déjà réussi à trouver? Elliot, t'avais trouvé toi? Peu importe. Peu importe qui avait déjà répondu à cette question. Je te la pose aujourd'hui à toi et c'est ce qui te mènera certainement à retrouver tes chers amis. Très bien. Alors concentre-toi et ferme les yeux. Alors comme ça on t'a manqué? Nickel éclair de génie, t'as fait te rendre compte de ta bêtise. J'étais toujours avec toi, mais tu m'as lâché petit à petit. Tu pensais être différente des autres, mais à la première difficulté, t'abandonnes. Vous pensez que vous serez jamais assez fort tout seul. Vous serez capable de vous rappeler qu'on est plus fort ensemble. Donc maintenant tu vas voir ce que ça fait que d'être abandonné. Allô, y a quelqu'un? S'il vous plaît, laissez-moi partir!